Chers étudiants, bonjour. Et aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur les primitives de fonctions analytiques. Et donc, on rappelle le théorème fondamental qui caractérise l'existence de primitives. Si je me donne D un domaine, et je me donne F une fonction analytique, bien f possède une primitive. Sur t, ça équivaut à dire que quel que soit gamma celui dans d de la set, et bien l'intégrale le long de gamma de ma fonction est nulle. Bien, le théorème est un peu plus complet. Hein. Sous cette hypothèse-là, il vous donne explicitement la valeur de la primitive grâce à une intégrale. Alors, on va essayer d'appliquer ça à la fonction suivante. F de z égale z sur 1 plus z carré. On va d'abord décrire son domaine de holomorphie. C'est une fraction rationnelle, donc elle est définie holomorphe sur son domaine de définition. Et le domaine de définition, eh bien c'est C privé des points où C nul ce polynôme, c'est-à-dire C privé de plus ou moins 1. Bien. Et on va s'intéresser à deux domaines particuliers. On va s'intéresser au domaine D0, qui est l'ensemble des complexes de modules strictement inférieurs à 1, et D1, qui est le domaine des complexes de modules strictement supérieurs. Là, on fait la présentation suivante. Ici, j'ai I, I moins I, j'ai mon cercle de centre 0 et de rayon 1. Donc, le domaine des 0, ben, il est à l'intérieur, et le domaine des 1, il est à l'extérieur. Bien. Sachant que ce sont des inégalités strictes, hein, ce sont bien des domaines, ce sont des ouverts, et ils sont visiblement connexes, puisque très certainement connexes par. Bien. Alors, on veut montrer que F possède une primitive sur D0, mais que F ne possède pas de primitive sur D1. Évidemment, on va mettre en jeu ce théorème. Le point, c'est, avant, pour comprendre l'intérêt de l'exercice, c'est que si on s'était posé la question pour la variable réelle, si j'avais pris f de x égale x sur 1 plus x2, bah, on voit bien que c'est une forme u' sur u. Et si x est réel, 1 plus x2 ne s'annulant pas, en même temps, strictement positif, eh bien, j'aurais une primitive sur R tout entier qui aurait été 1/2 de log de 1 plus x2. Alors, le problème, c'est qu'en complexe, les choses sont plus subtiles, même s'il y a un logarithme. On peut définir des logarithmes. On va voir que c'est pas si simple que ça, hein, puisque la preuve, c'est que sur D1, je ne vais pas pouvoir trouver de primitive. C'est lié au fait que ma fonction log, elle a du mal à être définie sur le log principal sur les réels négatifs. Bien. Alors, sur D0, bien, le problème est très simple. C'est que D0 est simplement connexe parce que c'est un ouvert convexe. Convexe implique étoilé, étoilé implique simplement connexe. Et si vous reprenez le théorème, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire être simplement connexe? Eh bien, ça veut dire que tout l'asset est homotope au point, donc l'intégrale de n'importe quelle fonction analytique est nulle. Bon, ça, c'est quelque chose qui figure dans votre cours. Hein. Sur un domaine simplement connexe, toute fonction possède une primitive. Donc ça implique que f possède une primitive. Bien, alors maintenant, on va se placer sur D1. Et on va essayer de montrer que F ne possède pas de primitive en utilisant le théorème, c'est-à-dire
en exhibant un lacet tel que l'intégrale le long de ce lacet soit non nulle. Alors, on va prendre. D'abord, on va travailler un petit peu sur ma fonction, ma fonction rationnelle, et je vais la décomposer en éléments simples. Les pôles étant plus ou moins i, eh bien je vois que je vais avoir du 1 sur z moins i, 1 sur z plus i, et je veux savoir, vous voyez, je le fais de tête sans le poser, quand je vais réduire mon dénominateur, il va falloir que les i se tuent et que les z disparaissent et que les z restent. Donc je vois bien que un truc du genre. Plus va fonctionner, je vais avoir z moins i plus z plus i, les i se tuent, il reste 2z, donc j'ai 1 demi de z plus i plus z moins i. Bien, alors je vais me donner gamma a priori un lacet à valeur 4, voilà, un lacet dans D1. Et je vais calculer l'intégrale le long de mon lacet. Donc l'intégrale de f de z, eh bien ça va être une demi fois l'intégrale le long de gamma de dz sur z plus i plus une demi fois l'intégrale de gamma de dz sur z moins i. Et là vous voyez apparaître les indices. Ça, c'est 2i pi fois l'indice de gamma par rapport à i et ici par rapport à moins i. Et donc, du coup, si je factorise, 2i pi fois 1 demi, ça me fait i pi facteur de l'indice de par rapport à i de gamma plus l'indice par rapport à moins i de gamma. Bien, alors il y a plusieurs moyens de fonctionner. Soit vous avez vous utilisez quelque chose d'intuitif, hein, ça dépend du degré de rédaction que vous voulez utiliser. Le lacet D1 que j'ai considéré, c'est tout simplement un cercle qui tourne autour, tout bêtement. Vous voyez. Je vais par exemple prendre le rayon 2, donc on va prendre le lacet gamma qui va aller de 0 de pi dans D1 et qui a été associé deux fois exponentialité. Voilà. Alors, donc, comme je vous le disais, un niveau de rédaction, disons intuitif, et de dire bon bah, je tourne une fois autour de i et de moins i, donc les indices ici valent 1. C'est un argument disons qu'on peut accepter, mais il faudrait le calculer explicitement. Bon. Moi je vous propose d'utiliser pour travailler très très rigoureusement une autre propriété qui va nous permettre de faire le petit b d'ailleurs de cet exercice. L'autre propriété, c'est la suivante, c'est qu'on a démontré que si je prends un lacet, hein, je rappelle, si vous avez, c'est un exercice que j'ai corrigé en vidéo d'ailleurs, donc si je prends gamma de i dans C un lacet, et que je prends D un domaine qui inclut dans C privé de gamma i, oui. Alors l'application de D dans Z qui a un complexe x associé l'indice en x de gamma, c'est une application constante. Ok. Alors on va essayer de mettre ça en. On va essayer de mettre ça en œuvre ici.
Et donc je résume la situation. Eh bien, j'ai mon cercle monté. Ici, j'ai mon lacet également. J'ai deux, j'en ai un. Oui. Et le domaine que je vais considérer, eh bien, c'est le disque ouvert ici. Ce disque ouvert là, c'est, je vais l'appeler D0. D0, c'est le disque de centre 0 et de rayon 3,5. Bien, il est inclus dans C privé de gamma I. Et donc, eh bien, si j'applique le rappel, ça implique que l'indice, je prends les trois points i ici, moins i et 0. Les indices de, je ne sais pas pourquoi je rappelle, c'est j de 0 gamma, c'est j de i gamma. Qui est j de moins i. Bien, mais le j de 0 gamma, ça c'est très simple à calculer. Oui, c'est 2i pi fois l'intégrale sur gamma de dz sur z. Ben ça vaut 2i pi fois l'intégrale de 0 à 2 pi de. Alors je dérive, ça me fait 2i exponentielle de t sur sur 2i exponentielle de t sur pardon, c'est 1, voilà ce qui me gênait, excusez-moi, c'est 1 sur 2i pi, voilà. Sur 2 exponentielles t, oui. Et donc vous voyez que ça vaut 1. Conclusion, eh bien cet indice vaut 1, cet indice vaut 1. Si je reprends la formule ici, voilà, j'ai écrit 1 de j, vous voyez donc que l'intégrale le long de ce lacet de f2z est égale à 2i pi, ce qui est bien différent de 0. Et donc vous mettez en défaut le théorème, hein, vous avez un lacet pour lequel l'intégrale n'est pas nulle, donc ce qui tue la possibilité d'avoir une primitive sans domaine. Bien, on passe au petit b, on fait la même chose, mais ce coup-ci, pour la fonction f de z égale 1 sur 1 plus z2. Et là, on écrit tout de suite ce qu'on a en tête, c'est que la décomposition en éléments simples, ici, elle va avoir un signe moins. C'est-à-dire que vous allez avoir 1 sur 2i, facteur de 1 sur z moins i, moins 1 sur z plus i. Voilà l'idée du concepteur du sujet. Et donc je vais encore refaire appel à ma formule des indices. Bien, alors dans le cas D0, bien, f possède bien sûr une primitive. Sur des zéros, car des zéros est simplement connexe. Bon, donc ça, c'est pas le problème. Alors, le problème, il est sur D1. Là, il faut montrer que ça possède une primitive. Alors, montrer que ça possède une primitive, il va falloir prendre n'importe quel lacet gamma. Ça va poser une petite question de rédaction supplémentaire, mais en fait, on a introduit dans le petit A l'idée. L'idée étant ce rappel. Alors, on se donne un lacet gamma à valeur dans D1 et je veux montrer
que l'intégrale sur gamma f de z dz égale 0. Ça, si je l'applique ici, cette décomposition en élément simple, ça c'est 1 sur 2i. Intégrale sur gamma de dz sur z moins i, moins c'est-à-dire, ça c'est 2i pi fois l'indice, donc ça me fait pi facteur de l'indice de moins i, de plus i pardon, par rapport à gamma, moins l'indice de moins i. Bon, et donc l'idée c'est de montrer que cette quantité est toujours nulle, c'est-à-dire on va essayer de montrer que l'indice et c'est toujours le même indice. Oui. Alors là, à nouveau, eh bien, on peut le faire intuitivement. Hein. Ici, j'ai i et mon i. Et puis, j'ai mon lacet. Gamma. Voilà. L'idée, c'est que si gamma tourne un certain nombre de fois autour de i, ben, il tourne le même nombre de fois autour de moins i. À nouveau, bon, si c'est juste essayer de donner une idée de la preuve, cet argument peut éventuellement fonctionner, mais on voudrait le démontrer vraiment proprement. Toujours en utilisant le fait que sur un domaine, cette application est constante. Alors, comment faire? Eh bien, je vais remarquer plusieurs choses. C'est que le cercle de centre 0, 1 est compact. Que gamma étant continu, i étant compact, gamma de i est compact. Ça va impliquer que cet ensemble produit est compact dans C carré. Et je vais considérer l'application de C carré dans plus et qui a un couple xy associé le module de x moins y. Ça, c'est une application continue. Bien. Bien, puisque c'est une application continue à valeur réelle, l'intérêt vous dit que l'image d'un compact est compacte. Oui. Et donc en particulier est bornée et atteint ses bornes. Donc la restriction de cette application à ce compact-là atteint un minimum. Donc, il existe un x0 qui appartient au cercle et il existe un y0 qui appartient à l'image du lacet, tel que, quel que soit x appartient au cercle, quel que soit y appartient à C, eh bien, la norme de x moins y est supérieure à la norme de x0 moins y. Mais le point, c'est que ça ne peut pas être nul. Ça, c'est strictement positif. Pourquoi? Eh bien, parce que, par hypothèse, gamma est à valeur dans B1, donc il ne rencontre pas le cercle. Donc, x0 ne peut pas être égal à y0. Et donc, du coup, vous avez minimisé par une longueur non nulle les distances. Alors, une fois que vous avez ça, eh bien, vous considérez le domaine D, qui est l'ensemble des points complexes, dont le module est strictement inférieur à 1 plus cette distance divisée par 2. J'ai mon cercle limité, j'ai mon lacet, je ne sais pas, je l'ai trop
fort approché. Ça, c'est intéressant. Bien. Le raisonnement sur les compacts, il vous dit qu'il y a deux points, par exemple celui-là et celui-là, tels que la distance entre ces deux points minimise la distance des points de n'importe quel cercle ou lacet. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ben ça, c'est un disque de centre 0 et de rayon un petit peu plus grand que 1 qui passe par la moitié de cette distance. Oui. Et donc, vous constatez que ben D est un domaine, puisque c'est une boule ouverte, oui, et que D ne rencontre certainement pas l'image de Gamelin. Pourquoi? Ben parce que si ça le rencontrait, ça donnerait une distance, le point qui rencontre la gamme Maï serait sur ce cercle-là, qui serait une distance du cercle unité, qui soit plus petite que x0 moins y0. Donc je n'ai pas ça. Et donc là, je peux appliquer mon rappel. Eh bien, d'après mon rappel, cette application est constante. Or, vous remarquez que plus ou moins i appartiennent à D. Et donc ça, eh bien, par le rappel, ça implique que l'indice de gamma en i, c'est l'indice de gamma en moins i. Et conclusion, eh bien, vous venez de montrer que l'intégrale sur gamma e f de z est nulle. Et ça, quel que soit gamma. Donc évidemment, hein, chaque fois que vous changez de gamma, vous allez changer de domaine D ici, puisqu'il dépend fortement de la distance entre le cercle et le... Voilà. Dernière chose, est-ce que je possède une primitive sur tout le domaine de définition? Et la réponse est bien sûr non. Ici, le domaine de définition, c'est juste retirer i et moins i. Eh bien, par exemple, vous prenez le cercle de centre I et de rayon 1, que vous faites tourner une fois comme ça, et bien vous voyez que l'intégrale, donc ça c'est gamma, si vous avez ça, c'est donc dans le domaine C privé de plus ou moins I, et bien l'intégrale, j'ai toujours la même chose à cause de ma formule ici, pardon, la formule qui est. Là, l'intégrale sur gamma de f de z, dz, c'est 1 sur 2i, c'est pi fois j de moins i gamma plus moins, et arrivé, j de i gamma. Et vous voyez que l'indice de ce lacet, bah, c'est très facile à calculer, ça c'est 1, et l'indice de ce lacet, c'est 0. Et donc vous voyez que ici j'ai moins pi qui est différent de 0. Donc j'ai trouvé un lacet pour lequel l'intégrale, le long de l'intégrale duquel la fonction est non nulle. Et donc ça met en défaut le terme. Voilà pour ce court exercice. J'espère que ça vous permet de vous familiariser avec le théorème fondamental, hein, pour les fonctions analytiques, la caractérisation par la théorie de Cauchy, c'est-à-dire le fait que l'intégrale sur tout lacet est nulle. Je pense que j'aurai le temps de refaire plusieurs vidéos aujourd'hui. Avant d'aller faire mes petites courses pour aller manger ma salade, mais là, je vis très simplement, comme vous le savez. Je mange un peu de salade, vous voyez, je dors au fond d'une écurie, une petite écuelle d'eau, un peu de paille pour dormir, et puis j'attends que le coronavirus passe, voilà. Si vous voulez envoyer vos dons à SOS Professeur Brebru, voilà, peut-être que ça me permettra d'acheter un quignon de pain, peut-être un morceau de chocolat, je ne sais pas. Voilà, je vous remercie par avance.